Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Tell us everything about them. The ivory towers are about to fall. And when we're done... Let's cross that bridge when we get to it. For now, the partners are all that matter. There's an issue. Of course there is. Olivia's tracked the names mentioned by the Constant, and they're dead ends. How dead? Obituaries for all three have appeared online. Accidental death, heart failure, lung cancer. They're covering their tracks. Faster than I thought. A contingency plan of sorts. The Constant wasn't aware of it. Well, seems they didn't tell him everything after all. Something this big will leave traces behind. The Constant says to follow the money. Milton Fitzpatrick. The investment bank. It's a key Providence asset. Which you worked for. The director of the New York branch is a Providence operative. It's our best bet as a way in. I'll tell the pilot to turn the plane around. Right, gentlemen. Here's what we've come up with. The partners are transitioning between identities. But everything is so recent, the Milton Fitzpatrick bank records will still be intact. We've confirmed that the partners have active accounts there. However, the bank's records are remotely updated on a frequent basis. We may only have hours before any leads that could get us the new identities of the partners are gone forever. The data we need can be obtained in two ways. The bank's data core can be accessed through the basement vault, but getting inside the vault could be challenging. Alternatively, Bank Director Athena Savalas, Head of Security Mateo Perez, and Head of Accounts Fabian Mann each carry a partial backup drive with the data. We'll need all three drives to get the full data. Now, we cannot risk the partners discovering the data breach. Eliminating the bank's director, Athena Savalas, would sever the last remaining Providence tie to the bank and keep our activities hidden. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack, and eliminate the director on the way out. We. You. Good luck, 47. Et salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle mission de Hitman 2. Donc ça se déroule à New York et ça s'appelle Parachute Doré, Golden Handshake en anglais. Donc la fameuse mission The Bank. Voilà, on doit tuer Athena Savalas et obtenir donc les données donc à la banque. Donc il y a deux façons de, du coup, d'avoir ces données là. C'est soit on neutralise donc trois personnes donc pour avoir les données, ou alors pour ce qui est de du coup de l'autre façon, il suffit de d'ouvrir le coffre-fort de la banque. Voilà. Alors, au niveau inventaire, j'utilise une arme dissimulable lors des fouilles, donc comme ça, aucun problème. C'est la seule arme que je pourrais avoir sur moi, du coup. Donc un 9 mm personnalisé. Ensuite, je prends le costume emblématique de 47 avec les gants, le crochet et la carte de piratage. Et voilà. Et on va arriver par l'entrée principale. Voilà. À tout de suite. Welcome to New York, 47. The Milton Fitzpatrick Bank is open for business, but it seems there's some sort of investigation underway. Expect increased security. Your target, Director Athena Savalas, can be found in her top floor office, overlooking the iconic Teller Hall. Head of Security, Mateo Perez, is roaming between the vault area and the Teller Hall, talking to employees. And Head of Accounts, Fabian Mann, can be found on the investment banker floor and the top floor of the bank, driving the internal investigation. Remember,
We need to secure the data from the bank's reinforced vault, or, alternatively, acquire 3 hard drives carried by the director and her 2 lieutenants, Mann and Perez. Good luck, 47. Merci Diana, donc nous sommes arrivés à New York, donc dans la fameuse banque. Voilà, donc en fait je vais vous proposer une version donc du coup de cette mission, quelque chose on va dire d'assez accessible et facile pour tout le monde, pour à la fois tuer notre cible voilà, le plus rapidement possible, et aussi on va dire d'une des façons les plus rapides. Et aussi donc pouvoir récolter les données sans avoir évidemment besoin de fouiller les personnes, enfin disons de les neutraliser. Voilà. Donc soit les tuer, soit les assommer. Donc là j'arrive justement donc en rez-de-chaussée, donc vers des coffres, donc un endroit où on peut passer en tant que civil. Par contre voilà, il y a des zones comme ici où nous sommes en intrusion, hein, parce que voilà, ils font pas mal de rangements et de recherches justement. Donc là donc je prends une clé de coffre d'un vigile qui est endormi. Voilà, donc ça tombe bien. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire comme moi, vous ne ferez pas repérer. Il suffit de vraiment de voir si certains sont de dos, et puis après ça passe tout debout. Au niveau des caméras, bah pareil, c'est assez facile de les éviter. Hein, il suffit d'attendre que justement que les marques au sol se dispersent. Donc voilà. Donc j'aurai l'occasion bien sûr de revenir et bien sûr de me refaire fouiller une nouvelle fois. Donc là on en profite en même temps de faire écouter une intrigue justement où on devait donner un dossier à une journaliste. Yes. Just make sure the information will be put to good use. Oh, you can bank on that. Who are you? What's your role in this? I'm not important. Good luck. It sounds like Miss Red has quite a scoop on her hands. My guess is this will cause a major market upset, which is sure to bring the director out from her fortified office. Et voilà, donc du coup le tour est joué. Donc cette intrigue va permettre justement, comme a dit Diana, de faire sortir la directrice de son bureau, parce que sinon elle a tendance à stagner dans son bureau, puis aller dans les pièces aux alentours, au même étage. Donc du coup, là voilà, je vous emmène à l'endroit où on va pouvoir se retrouver donc isolé avec elle. Donc ça, voilà, c'est très très pratique. Donc on passe ici, on se fait fouiller, bien sûr. Quoi qu'il est toujours possible, si on veut, de lancer une pièce ou un item pour attirer le garde quelque part, sans avoir besoin d'être fouillé. Si jamais vous voulez peut-être éliminer avec une arme qui du coup serait repérable, mais qu'on pourrait cacher dans nos poches, dans notre inventaire. Donc là-bas, j'escalade ici, donc jusqu'au balcon. C'est plus une terrasse qu'un balcon, j'ai envie de dire. Bon, on s'en fout. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va attendre. Vous voyez l'indication en haut à gauche. Donc voilà, donc on a réussi à faire sortir notre cible de son bureau. Elle va descendre l'escalier. Et ensuite, les couloirs qui sont en face de moi, elle va donc les parcourir avec ses gardes du corps et venir jusqu'ici, sur la terrasse où je me trouve. Voilà, donc après je n'aurai plus qu'à me cacher dans l'armoire qui est derrière moi et à l'éliminer avec ce petit 9 mm personnalisé. Voilà, donc ça c'est déjà finalement une première chose que vous pouvez faire finalement assez rapidement, parce que les renseignements vous pouvez les récolter avant comme après, ça c'est pas du tout gênant. Donc soit après, une fois que vous avez tué votre cible et que vous avez récolté les données qui sont sur elle, soit vous neutralisez 2 autres personnes, ou vous allez ouvrir le coffre-fort, comme je vais faire après son élimination. Voilà, donc il s'agit donc en fait d'une version sur Xbox One. Voilà, la capture est plus pratique pour moi sur Xbox, donc c'est pour ça que je joue sur cette console-là. Vu que j'ai encore, je m'étais pas mal testé du coup la mission, aussi bien sur Xbox que sur PS4 Pro. Mais le problème, c'est que j'avais des bugs de capture sur PS4 pour pas changer. Donc là, le garde est resté à l'extérieur. Elle, on attend qu'elle s'incline parfaitement et qu'elle sorte son téléphone. Et là, coucou, tu veux voir mon pistolet? Et voilà le travail.
orange cette petite pépette dans l'armoire, et donc on prend donc ces données qui sont d'ailleurs pas forcément utiles de les prendre tout de suite, comme je vous l'ai dit, parce que soit vous allez neutraliser deux autres personnes pour avoir la deuxième et troisième donnée, ou alors ouvrir le coffre, et c'est justement cette deuxième solution qu'on va faire ensemble. Donc voilà, vous allez voir que c'est très très facile. Alors je vais vous montrer justement comment vous débarrasser des de tout le système de sécurité, enfin je dirais des caméras plus les agents qui sont autour du coffre-fort. Donc du coup, on retourne ici, on se refait fouiller une nouvelle fois. Tiens, voilà, bah d'ailleurs, c'est l'un des gardes qui a des infos sur lui d'ailleurs. Diana va le dire. That's the head of security here, Mateo Perez. He'll be holding one of the three backup data disks. Voilà, voilà. Donc là, on se fait fouiller donc une nouvelle fois. Donc là, encore une fois, voilà, on va faire attention aux caméras. Bon, par contre, si vous faites repérer par les caméras, pas de problème. Je veux dire, après, vous aurez toujours la possibilité de détruire le système de caméras de surveillance avant de partir. Hein, bien sûr. Donc là, moi, j'avais une carte de piratage sur moi, ce qui m'évitait d'aller chercher une carte d'accès quelque part. Et là, le petit lingot que j'ai pris d'un coffre. Je vais fermer la porte vitrée. Paf, mon gars, tiens, un petit lingot d'or. Donc voilà, comme quoi les lingots d'or, hein, ça sert pas que pour avoir. Ça me fait tellement rire, je sais même plus quoi dire. Voilà, en gros, ça peut servir aussi pour voilà, pour casser le crâne d'un mec. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, du coup, comme notre pistolet est également silencieux, on va détruire cette caméra. Voilà, voilà. Donc, il y en a un qui se posait des questions parce qu'il a entendu le bruit de la caméra, mais on s'en fout, c'est pas gênant ça. On va s'occuper du petit bonhomme qui est derrière la porte. Par contre, on va quand même fermer. Disons qu'on va. Non, on va se dépêcher parce qu'il va tourner le dos. Voilà. Allez, tiens, toi aussi, tu ne l'as pas volé. Alors, lui, on va pas s'amuser à ranger son corps dans un conteneur. On va juste le mettre là comme ça. Voilà. On va récupérer son pistolet. Et on s'équipe encore du petit lingot. Donc là, vous pouvez y aller tranquille. Commencez par celui de gauche. Voilà. Et on termine par lui. Comme il parle, il fait pas attention. Du coup, c'est collègue autour. Hein. Donc là, on va crocheter ce coffre-là qui va nous permettre de prendre la carte d'accès donc pour de la chambre forte. Et voilà. Alors, par contre, du coup, on va voilà, détruire les caméras. Notre pistolet, on n'en a plus besoin vu qu'on va bientôt partir. Et on va tranquillement au coffre-fort. Voilà. On est bien. Lui, sans déconner, on n'est pas obligé de le cacher. Hein. Je me suis rendu compte que finalement, les autres PNJ étaient trop loin. Et que personne ne venait justement à l'entrée de la vitrée. Donc ça, c'est parfait. Et voilà, c'est la grande classe. Excellent, 47. Mais bien sûr, je mène cette mission à la perfection. Allez, on prend les données. Good work, 47. That's the evidence secured for now. Bon, bien que 47 en général soit très très bien payé, hein, autant qu'il se barre avec des lingots. Le pire, c'est que vous pouvez en récupérer d'autres. Hein, et puis aussi, vous verrez sur les côtés, dans les petites cellules, vous verrez que vous pouvez récupérer aussi d'autres objets rares. Donc c'est assez rigolo. Il y a un violon, je crois. Pas mal de trucs. Donc voilà,
Donc la mission est donc terminée, notre petit 47 préféré, adoré, donc s'en va, a terminé sa mission, récupérer les renseignements et éliminer donc sa cible. Voilà. Donc ça c'est parfait. Donc voilà, bon, ça c'est des intrigues que j'avais testées, donc y compris donc celle-ci avec la journaliste, les révélations. Voilà, j'essaierai de vous montrer peut-être, si ça vous intéresse, vous me dites. Sinon je le fais, bon, je peux vous montrer éventuellement un de ces quatre, une intrigue supplémentaire. C'est une mission que j'ai beaucoup beaucoup appréciée. Voilà. Donc écoutez, pour ma part, on va regarder rapidement le score ensemble. Et moi je vous dis donc à bientôt sur le School Game Universe. C'était Immortal 71 Camille. Allez, ciao. Olivia has found something interesting. I'll tell you on the way. Where are we going? To paradise, 47.